François, concentre-toi un peu. Tes mains, regarde tes mains. Non, non, plus de souplesse dans le bras. Regarde. Des progrès à faire. Hein. Dis-moi un peu, ça te plaît le piano? Oui, tu préférerais pas jouer au ballon avec tes petits camarades là? Si on y laisse le choix. Les enfants, goûtez les fraises! Allez, vas-y. Vous n'avez pas des nouvelles de votre mari? Si, enfin ce qui est important c'est qu'ils sont en bonne santé. Et de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Vous savez quand il va rentrer? On dit que le maréchal fait tout pour organiser le retour des prisonniers de guerre. Alors il n'y a plus qu'à espérer et attendre. Bah, bon courage. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci Albert, au revoir. Oh, je sais pas. Ils ont regardé la maison quelques minutes, puis après ils sont partis. Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? C'est gentil de bouquer. Hein. C'est pour maman, elle aurait 50 ans aujourd'hui. Tu devrais t'y installer quand même.
des armées du Troisième Reich contre le bolchevisme continue. Après l'anéantissement des troupes soviétiques autour de Smolensk, l'issue prochaine de la bataille... Qu'est-ce que c'est ça ? La confiture de rhubarbe. Je l'ai faite avec du moût de raisin. Il n'y a plus de sucre, il faut bien qu'on se débrouille avec ce qu'on trouve. Mmh. Tout a raison, hein. Puis, c'est encore une chose que les Allemands n'auront pas. Hein. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Monsieur Larosière. Mademoiselle. Votre maison a été réquisitionnée pour loger un officier allemand. Je suis son ordonnance et je viens choisir sa chambre. Peut-être une erreur, il n'y a pas de place ici. La maison est grande. Oui, mais nous sommes nombreux. J'ai lu dans le rapport que votre fils est mort à Verdun en 1918 et votre belle-fille en 1932. Vous êtes donc seul à habiter ici avec votre petite fille. Voici l'ordre de réquisition, monsieur. Veuillez me mener aux chambres, je vous prie. Jeanne, va lui montrer les chambres. Mais, là. Si c'est la mienne. Et celle-ci ? C'est impossible, c'est la chambre de mes parents. Elle est donc disponible ? Celle-ci sera très bien. Pardon. Il a choisi leur chambre. Il faudra préparer des draps et une serviette de toilette pour le capitaine von Ebronach. Moi-même, je dormirai dans la petite dépendance à l'extérieur de la maison. Cela est très bien. Le capitaine aime beaucoup les fleurs. Thank you.
Ah. Merci, mon petit. Tu as froid? J'arrive pas à me réchauffer. On dit que l'hiver va être dur. Je me demande quand est-ce qu'il va arriver. Cette année, il a l'air en avance. Non, je parle de l'allemand. Oh! On sera fixé bien assez tôt. Tiens, joue-moi quelque chose. Ça me fera plaisir, puis ça te réchauffera. Hein? Mademoiselle. Monsieur. Je me présente. Werner von Eprenac. Capitaine von Eprenac. Je suis désolé. Ma présence ici, naturellement nécessaire. J'aurais évité si cela était possible. Je pourrais maintenant monter à ma chambre, mais je ne connais pas le chemin. Je vous souhaite une bonne nuit. Cette chambre est parfaite. Je vous remercie, mademoiselle. Dieu merci, il a l'air convenable.
Dis donc, tu m'achèteras de la pâte dentifrice. J'en ai presque plus. Ne jetez pas le tube, hein, surtout. Il faut ramener tous les emballages. Ah, pour acheter des œufs, là. Il faut ramener les coquilles vides, hein. Bonjour. Je passais une très bonne nuit. J'aimerais que la vôtre eût été aussi bonne. Le maire de votre ville m'avait dit que je demeurerais dans un château. J'imaginais une grande bâtisse. Mais je ne suis pas déçu du tout. Votre maison est magnifique. On sent qu'elle a une âme. Pour les repas, vous n'aurez pas à vous occuper. Je les prendrai à la commande en tour. Ce soir. Vous avez un locataire? Si on peut appeler ça comme ça, il va rester combien de temps? Jeanne! Comment ça va, toi? Tu travailles bien? Oui, regarde. Pierre! Viens m'aider! Un bon point à l'effigie du maréchal. Moi aussi, ça me choque, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À l'école, tout est fait pour chanter les louanges de Pétain. Les abécédaires, les dictées. L'autre jour, ils ont même écrit une lettre. Tu pourrais lui expliquer, quand même. Lui expliquer quoi? Il a que 6 ans. Qu'il en profite et grandira bien assez tôt. Au revoir, papa, ce soir. C'est sa nouvelle mamie. T'as vu, je cours vite, hein. Ouais, t'es un vrai champion. Tu as très bien travaillé. On va pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Regarde, j'ai trouvé le morceau que tu m'as demandé. Chic alors. À jeudi. Chercher un peu de lait. Qu'est-ce que t'en as? Pour mes cousins, j'en ai toujours. Enfin, surtout pour ma cousine. Comment ça va chez toi? Ça va. Il paraît que vous hébergez un Allemand. On l'héberge pas, il s'est installé dans une des chambres. Il est comment? Rien à en dire. Ouais, c'est un chelou, quoi. Déjà bien beau qu'il vous ait pas foutu dehors, hein. Merci. Hé,
Tu serais venu t'installer ici, moi ça m'aurait pas déplu. Allez, faut que j'y aille. C'est mon grand-père qui m'attend. À bientôt. Hé, demain on va se balader sur la plage avec des copains. Tu voudrais pas venir avec nous? Non, demain je peux pas. Pour une autre fois. Salut. Qu'est-ce que tu couches? Je reprends une robe de maman. Qu'est-ce que vous en dites? Elle va pas? Un peu longue? Le volet n'est pas encore fait. Ursula? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il paraît que le temps va changer avec le grand marais. Je entre en général, fératisseur, mais je crains que je vous dérange. Si vous le préférez, je passerai par la porte de sa fils. Alors vous fermez la porte à clé. Je vous souhaite une bonne nuit. Remarque, ça simplifierait les choses, hein. Quoi, non? Si on fermait la porte à clé, ça nous éviterait de le voir. Nous n'avons jamais fermé cette porte, il n'y a aucune raison pour que nous le fassions. Non, bon. Comme tu voudras, mon petit. Oh. Oh. Vous avez mal? Oh, tu sais, on guérit jamais vraiment des blessures de guerre. Oui. Qu'est-ce que tu veux? La douleur, c'est une ennemie comme une autre. Oui, on vivra avec, je sais. Bon, allez, au revoir, mon petit. Dors bien. Attachez votre bicyclette? Bah oui, là, la grille avec le cadenas. Ouais, on cherchait pas, on vous l'a barboté. C'est pas possible. Mon fils en a perdu deux comme ça. Maintenant, il va à pied. Allons, suivant, dépêchons, s'il vous plaît, dépêchons.
Ça te fait du bien? Pas vraiment. Surtout les ampoules qui font mal. De toute façon, il faudra bien que je m'y habitue. Bonsoir. Le temps est très froid aujourd'hui. Il paraît que c'est la même chose en Allemagne. J'ai toujours aimé la France. J'étais un enfant à l'autre guerre. Et déjà, j'aimais ce pays. Pourtant, j'ai perdu mon père, moi aussi. Quelle est la famille française ou allemande qui n'a pas eu un mort par la Grande Guerre? J'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment la patrie. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Que voulez-vous que je joue? Bach, Mozart, Beethoven. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a pas que des compositeurs allemands. Tant qu'il sera là, je ne jouerai pas. Puis-je vous proposer de profiter de ma voiture? Enfin, qu'est-ce qui se passe, Solange? Tu n'aimes pas ce morceau? Si. Ben, je sais pas, là, je te trouve ailleurs, tu fais n'importe quoi. Je vais devoir arrêter les cours. Arrêter les cours, mais pourquoi?
Mon père n'a plus de travail. C'est à cause des nouvelles lois. Contre les juifs. Écoutez, ce n'est pas possible. Laissez-moi la faire travailler, monsieur. C'est pas une question d'argent. À la semaine prochaine. Schwein, das kriegen Sie zurück. Zurückbleiben! Seid vorsichtig. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tabasser au pont d'une impasse par deux jeunes gens. Ils ont pu foutre le camp, mais ils l'ont seulement amoché. Ja, langsam. Eh ben, il n'a pas volé. Sale boche. Tu vas où? Je rentre chez moi. Remonte, je te ramène. Je vais bien. J'ai tellement mal aux pieds. Donc, elle est sacrément mignonne, ta cousine. Hein. Ouais, bah c'est chacun chez soi, ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire bas les pattes. Jeanne, c'est chasse gardée. Maréchal Pétain par là, Maréchal Pétain par-ci. On le met à toutes les sauces, celui-là. Je me demande bien pourquoi j'achète encore ce journal. Bonsoir. Pardonnez-moi, mais ma chambre est très froide. Si vous me permettez, je pourrais me chauffer quelques minutes à votre feu. Ce pont. À cet instant précis, je pourrais me croire chez moi. Et la chaleur de ce feu, sans doute.
Balzac, Baudelaire, Corneille, Descartes, Molière et tous les autres. Les écrivains français sont tellement nombreux qu'on ne sait qui choisir en premier. Quelle grandeur, quel grand peuple. Mais pour la musique, alors c'est nous. Beethoven, Wagner, Händel, Mozart, Bach. Bach. Rien n'est plus beau que cela, n'est-ce pas? Je ne crois pas vous l'avoir dit, mais... je suis musicien, moi aussi. Compositeur. Certains sont dans l'armée par la vocation. Chez nous, c'est un peu la tradition familiale. Nous n'avons pas vraiment le choix. Je vous souhaite une bonne nuit. Ces longs monologues deviennent pénibles. Moi, je n'y fais pas attention. Tu sais que je ne supporte pas de foncer un homme. Fut-il un ennemi? C'est nous qui sommes offensés. Et puis nous non plus, nous n'avons pas le choix. C'est pas grave. Aïe. C'est pas grave. Aïe. Aïe. Suite aux attentats du 20 et 21 octobre qui ont causé la mort de deux officiers allemands, 99 otages ont été fusillés. Le maréchal Pétain a adressé ses excuses et ses condoléances aux autorités d'occupation. 99 Français. Pour deux Allemands. Tu parles d'une addition. Vous en connaissez, vous, des résistants? Oh. Ceux qui le sont, ils s'en vendent pas. Hein. Tiens, j'ai entendu dire qu'en ville, on donnait des cours de culture potagère. Ça vous intéresserait pas? Moi? Quelle idée. Vous nous feriez un petit potager dans le jardin. Alors, pousser des carottes, des pommes de terre, des haricots verts. Puis moi, je vous ferai des petites soupes. Des petites purées, des petits gratins. Ah, mais tu vois... J'hésitais entre le jardinage et la résistance. Eh ben, je crois que j'ai fait mon choix. Un peu plus que d'habitude aujourd'hui, hein. J'avais dit de faire attention. Ça pique. Bah oui, c'est normal, c'est l'eau de mer qui fait ça. En fait, qu'est-ce qu'il t'a dit le monsieur allemand la dernière fois que t'es tombé? C'était pas grave. C'est tout? Non, il m'a dit aussi qu'il s'appelait Werner. Werner. Bon, allez, viens. Tu vas boire un bon verre de lait chaud en rentrant, ça va te réchauffer. Mais je pourrais pas rentrer tout de suite. Mais si, regarde, on est presque arrivé. Mais non, je te dis, maman, elle a sorti le géranium. Le géranium, et alors la belle affaire? Mais maman, quand elle sort le géranium, c'est qu'elle parle avec des gens et c'est pas pour les petits.
vois bien les autres. Bonne journée. Alors, la pêche a été bonne? Oui, pour une fois. Tiens, voilà, il y en a beaucoup. Il me reste un peu de beurre, t'en veux? Hein? Non, merci, je vais les faire comme ça. Au revoir. Tu restes pas 5 minutes? Non, faut que j'y aille. Ça pique. Ah oui, il est tombé dans l'eau de mer, il faudrait lui nettoyer le genou. Allez, viens, mon bonhomme, on va te soigner. T'as mal? Je vais me coucher, moi. Déjà? Ben, il est tard. Vous voulez pas faire une petite partie d'échecs? Non. Bonsoir. Le vent souffle très fort ce soir. Et la mer est très agitée. Il fait bon ici. Quelle chance, vous savez être habité près de la mer. Moi, ce que j'aime dans la mer, c'est son silence. Je ne parle pas de Brandon, les ressacs. Enfin, je parle de ce qui est caché. De ce qu'on définit. La mer est silencieuse, mais il faut savoir l'écouter. Je suis très heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Je vous souhaite une bonne nuit. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Tu mettras la buse de côté avant de monter, afin qu'elle ne brûle pas pour rien. Mais quelle rage! Défilé, c'est un défilé permanent, hein! Ah, moi je vous jure, j'ai la tête comme ça! Excusez-moi, monsieur. Le Bouddha, c'est du noir ou du blanc? Du blanc, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Allez, au suivant. Thank you.
revoir. Jeanne, attendez. Tenez, c'est pour vous. Mais il fallait pas. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Vous les mangerez avec votre grand-père. Ça vous va bien, cette nouvelle coiffure? Vous savez que mon mari va rentrer. C'est formidable. Oh, je suis tellement heureuse. Moi aussi, je suis très heureuse pour vous. Joyeux Noël. À vous aussi. Solange? Pas la peine d'insister. Ils sont partis. Partis? Pour les fêtes? Ils sont partis cette nuit avec des valises et des paquets plein la voiture. Ils vous ont pas prévenu? Non. Ils ont emporté le piano aussi? Ah non, le piano, ils l'ont laissé. Et je crois que le vélo aussi, d'ailleurs. Attendez voir. Tenez, prenez-le, autant qu'il serve à quelqu'un. Non. C'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Puis vous le leur rendrez quand ils reviendront, puisque c'est vos amis. Moi, je sais pas ce que les Allemands leur veulent aux Juifs, mais il faut reconnaître, c'est des gens à part. Hein. Ils se mélangent pas, ils restent entre eux, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher, finalement. Enfin, moi, ce que j'en dis... Trempé. Viens prendre un petit verre d'alcool pour te réchauffer. Non, merci, je vais monter me changer. Regarde ce que Pascal nous a apporté pour Noël. Bien. Les Allemands voulaient tout me prendre, mais j'ai mis celui-là de côté. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Ben, je pense bien que ça nous fait plaisir, hein. Oui, c'est gentil. Je vais monter me sécher. Merci, au revoir. Il ne te resterait pas du pâté, puis c'est celui avec des cèpes, là. Tu vois ce que je veux dire? Hé, je parle. Hein? Je sais pas. Oh, ça fait rien à la prochaine occasion. Je rapporterai une boîte. Enfin, une boîte. Tiens, si t'avais un petit saucisson pour la même occasion, hein? D'accord. Oui. Tu veux pas un verre d'alcool pour la route? Hein? Non, merci. Oh, elle va être contente, hein. Ça fait des semaines qu'elle a pas mangé de poulet, alors. Elle cache bien sa joie. Oh, c'est jeune, tu sais. C'est pas le genre à montrer. Ces sentiments, hein? Alors, joyeux Noël, hein? Merci. Hein? Joyeux Noël. Et puis merci encore. Oh, elle va être contente. Elle va être contente. Allez, bonne route. Elle va pas? Non. J'ai cru un instant que c'était ta mère qui était là devant moi. Tu veux m'aider? Je me demande où ils sont. Qui ça? Solange, le père de François. Il y en a un qui vient, l'autre qui repart. C'est étrange, la vie.
Warten Sie auf mich. Ich komme gleich zurück. Aber tu vas pas passer la soirée toute seule. Fais un effort. Moi, je ne dis pas que tu vas t'amuser. Mais enfin, ça va faire du bien de venir. Tu rencontreras des gens que tu connais, des gens de ton monde, des gens de ton âge. Puis peut-être des copains, des amis. Il y aura peut-être Pascal. Oui, pas raison de plus pour pas y aller. Bonsoir. Je vais rentrer me changer avant de retourner à la commande en tour. Une grande soirée est organisée. Ah, voilà Fernand. Laissez, j'ai fini. Alors, tu viens pas à la messe de minuit? Je vous ai déjà dit non. Oh, pourquoi? Allez-y, je vous attends. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël. Allez. Quelle belle nuit. Déjà 3 mois que je suis là. Le jour où je suis arrivé, faut jouer le prélude de Bach. C'est le plus beau, le plus pur. C'est celui que je préfère. Je vous souhaite un bon Noël.
Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ah, c'est plus que rien. Merci. Ouais. Au revoir. La pêche a été bonne ? Oui, oui. Je dirais que le printemps arrive. Pas trop tôt. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais te demander quelque chose. En fait, je voulais t'inviter ce soir. Il y a un bal au village. C'est gentil, mais j'ai pas très envie. Puis, de toute façon, je sais pas danser. Si y a ça, je peux t'apprendre. Qu'est-ce que t'en dis ? Prends tout d'un coup. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelqu'un ? T'as quelqu'un, c'est ça ? Arrête ! D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien.
Enfin, Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, je vous dis! Jeanne, à table. Je voulais vous dire quelque chose. Je... Je vous souhaite un bon nuit. Allez, tiens, Polo. Applique-toi, Pierrot. Fais bien tes lettres. Je te dérange? Non, je fais travailler Pierrot. Rentre. Assieds-toi. Bonjour. T'as vu? Ah, c'est bien. Sauf celui-là qui est tout tendu. J'ai du bouillon de légumes. T'en veux? Ouais, je veux bien. C'est un tricot qui se commence par le col. Ça permet de rallonger les manches et le buste. C'est pas bête, hein? Il paraît que c'est un modèle allemand. Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais chez ces gens-là. Tu vas m'en dire des nouvelles, j'ai mis un bout de lard. C'est délicieux. C'est fou, hein, comme un bout de viande, ça change le goût des choses. Tu sais, ton ami, le jeune homme avec une casquette, il s'est fait arrêter par les Allemands. Tu dis? Le jeune homme qui est venu chez toi l'autre jour, il s'est fait arrêter cet après-midi. Où ça? Dans une petite maison rue des Longrayages. J'ai fini. Range bien ton cartable, Pierrot. Rien de vous acharner sur ce malheureux poêle. Je m'acharne pas, je veux qu'il chauffe. Un poêle, c'est fait pour chauffer. Il n'a qu'à faire son boulot, puis c'est tout. Bonjour. Deux officiers allemands vont venir me rejoindre ici quelques jours. Ce sont de vieux amis. Je me réjouis de les revoir. Je pensais les installer dans la dépendance. Ils n'auront pas très chaud, mais au moins, vous n'aurez à vous occuper de rien. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, je vais faire un tour. Excusez-moi, mais je suis fatiguée.
krank sein würde lassen. Aber wovon redest du denn? Werner, ja Mai, haben wir denn eigentlich Krieg geführt? Frankreich ist besiegt, mein Freund. Und wir sind die Sieger. Verhalten wir uns dementsprechend mit Stolz und mit Ehre. Aber gerade die Ehre, bedeutet das nicht für die Sieger, andere Völker nicht zu demütigen? Ach, dummes Zeug. Ja, ihr seid verrückt geworden. Dann ganz und gar nicht, mein Lieber. Wir komponieren nicht und wir schreiben noch keine Gedichte. Wir sind deutsche Offiziere, Männer mit Ehrgefühl und Pflichtbewusstsein. Treu dem Volk und Führer. Ja. Bonsoir. Je dois vous adresser des paroles graves. Bonjour. Tout ce que je dis depuis mon arrivée, tout ce que le mur de cette maison a entendu, il faut oublier. Es gibt keine Hoffnung mehr. Plus espoir. Que dois-je faire? Je pense que vous avez raison. La seule réponse est d'être fidèle à son devoir et à ses engagements. T'as oublié ta gamelle? Bonne journée. Bonjour Jeanne. Bonjour Louis. Papa, plus vite. Bonjour. Attends. Ce que tu m'as dit l'autre jour, tu en as parlé à quelqu'un? Papa. Non, qui voudrais-tu que j'en parle? Plus vite, papa. Pierre, tu vas me prendre froid, rentre à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Pierre. Dis-moi. Est-ce que tu serais d'accord pour t'en occuper si quelque chose nous arrivait à Louis et à moi? Je te dis ça, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Pierrot, rentre à la maison, allez, vas-y. Vous préparez quelque chose, c'est ça? J'ai besoin d'une réponse. Moi aussi. Je peux rien te dire. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui. Merci.
Magazin? Klar. Danke. Hast du keine Kippen mehr? So eine Kälte übrigens. Ich habe einen Brief bekommen. Von wem? Hörst du nichts? Nee, ich habe nichts gehört. Oh, es ist kalt. Chardonnay, ist der mir wohl bekommen? Mein Gaumen ist noch ganz erheitert davon. Ja, ist so was bei uns. Haben wir ja. So kann man es auch nehmen. Also. 460. Ich brauche zwei als Funkstellung. Diese? Nee. Wir werden drei MG-Stellungen darum bauen. Ja. Und hier? Diese hier würde ich empfehlen. Die beiden werden reichen. Ja? Ja. Ganz sicher. Das sind dann mindestens drei MG-Stellungen. Die bekommen wir. So sind wir. Auf sich warten. Steigen wir ein, der kommt dann schon. Wie du wolltest. Gucken Sie mal. Zu Befehl. Lassen Sie den Motor anspringen. Der kommt dann schon. Verstärkung! 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 Verstärkung!
rein. Gehen Sie schon auf den Weg! Was machen Sie denn da? Auf den Weg, sag ich! Verdammt doch mal! Jetzt mal schnell auf! Auf den Aufsteigen! Und dem Laufschritt! Vous avez interrogé. Le chef est bien. Ah, c'est qui? Le SS, vous avez interrogé. Ouais. On n'avait rien à dire. Ouais. Oh. Alors ? Il s'est endormi. Et où vas-tu ? Vous savez bien. Fais pas ça, voyons. Nous avons eu de la chance une fois. S'ils te reprennent, ils te relâcheront pas. Il faut que j'y aille. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois ? Tu vas les faire relâcher ? C'est la seule chance qui leur reste.
entrez, monsieur. Je m'en fais. Je te demandais de partir sur le front russe. La propagande ne parle que des victoires de notre armée. Mais là-bas, il fait moins 40. Nos soldats ne peuvent plus. Je mets en route ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Adieu. Dieu. Allez, dépêche-toi de finir ton lit, on va être en retard. Allez, vite, viens là. Je t'ai mis. Mets ton chocolat dans ta poche. Et puis tu bois tout ton lait, hein. Parce que j'en ai assez d'avoir un petit garçon tout maigrichon. D'accord ? Voilà, à plus tard. Tu rentres quand ? Après mes cours. Bon, allez, en route. Après l'école, tu viendras m'aider à détirer les carottes.